Alors l'œuvre qui va être exposée là au musée passager, c'est une aquarelle qui fait partie d'une série que je fais depuis 3 ans. C'est des aquarelles de fête. Je vais dans des soirées, donc j'ai mon appareil photo, et puis dès que je suis un peu sous, je prends un peu des détails, des choses comme ça au hasard. Et après, je refais des montages sur Photoshop. Je refais des compositions d'après les photos que j'ai prises, et puis après, j'en fais des aquarelles. Là, c'est une aquarelle d'une boîte de nuit qui s'appelle le Memphis, où j'étais complètement fasciné parce que c'est comme s'ils avaient acheté tous les trucs qu'on pouvait mettre dans une boîte de nuit, c'est-à-dire toutes les lumières, les boules disco et tout ça. Voilà. Et donc je trouvais que c'était assez beau parce que d'un coup, ça faisait un côté un peu abstrait, bizarre, quoi. Et là, il y avait un côté féerique dans cette aquarelle-là que j'aimais bien parce qu'il y avait aussi les reflets du reflet du plafond où d'un coup, ça faisait comme un monde, un ailleurs dans la fête. En tant que peintre figuratif, on cherche des sujets. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de sujets, hein. Il y a la vie, la mort, l'amour. Et donc la fête, ce qui est sympa, c'est que ça amène la fatigue, la séduction, la vanité de l'existence. Enfin bon, voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Si on fait des choses comme ça, c'est aussi pour partager des choses. Donc moi, j'adore partager avec n'importe quel public. Donc là, je pense que c'est même la sélection des artistes, ça, je la trouve très bonne. Donc je suis très content. Voilà, je suis très content d'y participer. C'est cool.